D'un côté, il y a Quentin, 9 ans, et Manon, sa sœur jumelle. Ils ont été sacrés champions de France l'année passée en danse latine catégorie juvénile. Regarde-la et ouvre. Regarde-le. De l'autre, il y a leur petit frère Romain, âgé de 8 ans, accompagné de sa partenaire Lilou. Un petit frère qui commence à devenir redoutable depuis quelque temps, au point de rattraper son grand frère et sa grande sœur. Il les a d'ailleurs déjà battus à plusieurs reprises lors des dernières compétitions, une chose qui ne plaît pas du tout à Quentin. J'ai envie de battre Romain parce que ma technique elle est meilleure et puis je suis le plus grande. Leurs parents, Corinne et Christophe, ont dû en prendre l'habitude. À la maison, c'est la compétition pour tout entre les deux frères. Même quand ils jouent, c'est à celui qui sera le meilleur tout le temps. Cet esprit de compétition qui est toujours là, quoi, c'est pour n'importe quoi, ça va être je veux être le premier, quoi. Sur la piste de danse, Quentin jusqu'à présent a toujours été le meilleur. Mais son petit frère est en train de le rattraper. 8 médailles. 8, 9, 10, 11, 12. 12 médailles. Une compétition qui commence à fatiguer Manon, la sœur jumelle de Quentin. Ouais, mais les garçons, en fait, c'est qui va gagner, c'est ça le truc. Une nouvelle compétition doit avoir lieu bientôt en Espagne. Et cette fois-ci, Quentin a bien l'intention de ne pas se laisser faire. Autant dire qu'à l'entraînement, les critiques ne vont pas être tendres. Ils font pas la posture. Ils regardent toujours par terre. Des remarques qui ne vont pas intimider Romain, loin de là. C'est moi le meilleur. Ben non, comme je t'ai déjà battu. Même si leur maman tente tant bien que mal de calmer le jeu entre eux. Alors moi, ce que je veux pas voir, les chéris, c'est que s'il y en a un qui est pas sur le podium, on ne pleure pas. Les deux frères n'ont pas l'intention de se faire de cadeaux quand ils se retrouveront sur la piste de danse lors de la finale. À la dernière compétition, mon frère Romain m'a battue, j'étais très déçue, mais à la prochaine compétition, je vais tout faire pour le battre et décrocher une place sur le podium. Je veux battre Quentin, c'est pas parce que je suis le plus petit que je peux pas être le premier. Je sais que Quentin veut qu'on soit les meilleurs, qu'on travaille beaucoup et je vais vite m'améliorer pour être à son niveau. Que le meilleur danse, nous on peut pas dire toi tu seras meilleur, toi tu... voilà. Eux ils se donnent à fond et puis ma foi arrive ce qui arrivera. Hein. C'est à la queue leu-leu que toute la famille de Quentin a pris l'habitude de se rendre aux entraînements de danse latine tous les soirs après l'école. C'est lui qui prend toujours la tête, du haut de ses 9 ans, c'est l'aîné. Avec Manon, sa sœur jumelle, suivant juste derrière lui. Vient ensuite Romain qui lui a 8 ans, et enfin Corinne, leur maman, qui n'assistera pas aux cours de danse. Interdiction pour elle de rentrer à l'intérieur, c'est la règle pour ne pas perturber les petits danseurs. Allez les petits, on commence par le samba. On fait les 3 danses? Allez, on y va. Ils pratiquent les danses latines à très haut niveau dans la même catégorie. En bas, aou. Et en bas, et aou. Et 1, 2, 3, 4 et 1. Ils seront entraînés aujourd'hui par Dario et Karen. Les jumeaux Quentin et Manon dansent toujours ensemble. Leur frère Romain a pour partenaire la petite Lilou, âgée de 7 ans et demi. Cela fait 2 ans maintenant qu'ils pratiquent tous ce sport avec acharnement et ça se voit. Ils ont un très haut niveau. On monte les genoux et on lève la tête. Quentin et Manon ont été sacrés champions de France juvénile en 2013. Rien d'étonnant pour le petit garçon parfaitement à l'aise dans sa discipline. Super. On finit avec un jive? Aujourd'hui, les danses que je suis bon, je pense à la compétition, la danse que je serais bon, ça serait la samba, le jive et le passo. Mais depuis quelques mois, il a dû apprendre à se méfier de son petit frère Romain et de sa partenaire Lilou, qui ont une fâcheuse tendance à les rattraper dangereusement. Non seulement les vice-champions de France de l'année précédente, c'était eux, mais depuis 2 mois, ils ont même dépassé Quentin et Manon, les battant lors des 2 précédentes compétitions. Okay, tu mets un cha-cha. Pour le petit Romain, c'est très clair, il veut battre son grand frère et sa grande sœur. Moi, je veux battre mon frère, parce que c'est pas aussi les grands qui doivent battre les petits, c'est aussi les petits qu'on doit battre les grands. Leurs entraînements, ils les suivent donc avec énormément de sérieux. On lève les genoux, plus. Et de concentration. On n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué. N'écoutez pas votre fatigue. Tout est dans la tête. Romain a peut-être été souvent meilleur qu'eux dernièrement, mais pour Manon, sa sœur, ça ne veut pas dire qu'il a forcément un meilleur niveau. Romain, il danse bien, mais pour l'instant, c'est peut-être Quentin meilleur. Les trois frères et sœurs vivent dans cette maison avec leurs parents Corinne et Christophe. Quand vous êtes prêts, les chéris, vous me le dites, je vous sers. Bah, en fait, je suis prêt. Dans 2 petites minutes, c'est bon. Dans quelques jours doit avoir lieu une compétition en Espagne où les jumeaux et Romain, leur petit frère, vont se retrouver directement en concurrence. Comme leur maman n'assiste jamais aux entraînements, elle ne sait pas trop comment ça se passe entre eux sur la piste de danse. C'est donc avec une certaine prudence qu'elle va aborder le sujet. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait faire, Karen et Dario? Samba et Tchatcha, moi et Romain. Et... Non, moi. Vous avez fait les 5 danses alors? Non, moi. Non, moi. Bon, bah, c'est super. Et après, comment ça se passe? Puisque vous allez être en compétition, tous les 4, comment ça va faire? Hein, Quentin? Je sais rien. Pas facile de les faire parler sur ce sujet. Depuis peu, Quentin et Manon se sentent menacés par la progression de leur petit frère. Un petit frère qui s'est souvent senti un peu mis à l'écart à la maison par le passé. Quentin et Manon sont jumeaux déjà à la base, donc ont toujours fonctionné comme un petit couple par rapport à Romain qui est arrivé après, et a toujours mis à l'écart, ne serait-ce que quand ils étaient bébés, ben, ils jouaient tout seuls. Et Manon et Quentin jouaient dans leur coin, ne l'acceptaient pas forcément avec eux. Depuis que Romain a trouvé une partenaire pour danser, Lilou, il a pu enfin se mesurer à ses aînés et prouver de quoi il était capable jusqu'à les rejoindre l'année passée, tout en haut du podium du championnat de France de danse latine. Une rivalité certes bon enfant, mais une rivalité quand même, ce qui inquiète un peu leur maman Corinne. Lors de la prochaine compétition, ils vont devoir de nouveau s'affronter et ça l'inquiète un peu. Quentin, Romain, s'il y a un des garçons qui arrive premier et que l'autre est pas sur le podium, ou qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Si t'es sur le podium, génial, tout ira bien. Si jamais t'es pas sur le podium et que Romain l'est, comment tu vas te sentir? Je vais pas le défoncer, hein. Ouais. Quentin, qu'est-ce que tu pourrais dire? Tu vas être déçu quand même un petit peu. Oh oui. Alors moi, ce que je veux pas voir, les chéris, hein, samedi, c'est que s'il y en a un qui est pas sur le podium, on ne pleure pas. C'est pas grave. Moi, parce que quoi qu'il en soit, vous aurez super bien dansé, vous aurez tout donné, tout ce que vous aurez appris. D'accord? Et que la compétition, c'est comme un jeu. Il y a une règle du jeu. Alors, soit on peut gagner et on est sur le podium, soit on perd et on n'est pas sur le podium et on n'a pas de récompense. Mais ça, c'est pas grave. D'accord? Les deux frères, ben, ils se mettent un petit peu en compétition, l'un et l'autre. Même si c'est quelque chose qui est sain au sein de la famille, quoi. Mais bon, c'est sûr que chacun d'eux a envie d'être premier, a envie de se surpasser, quoi. Malgré tout, les photos et les multiples trophées remportés durant les dernières années sont tous exposés fièrement dans la maison. Et entre les deux frères, la compétition est bien réelle. Ils ne se lassent pas de se montrer l'un à l'autre chacune de leurs médailles. 8 médailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 médailles. Toi, tu veux toujours gagner. Bah, quand on est sportif, on a envie de gagner. Je veux te battre. Bah, tu sais pas. Si. Je vais me danser que toi. Tu sais pas comment je vais me donner. Gagne-toi. Tu sais pas comment moi je vais me donner. C'est moi le meilleur. Ben non, comme je t'ai déjà battu. Moi je t'ai battu au moins plus que 8 fois. Donc, je peux plus donner que toi. Ben non, je vais mieux donner. Vu que je suis meilleur. Non. Si. Non. Si. Comme je t'ai déjà battu. Ben oui, ben je peux te rebattre. Hein. Ben ça dépend comment tu danses. Ben toi aussi, ça dépend comment tu danses. Mais je vais mieux danser que toi. Ouais. J'aurai tout et toi t'auras rien. Si. T'auras tous les pieds fermés, t'auras pas la posture, t'auras pas le regard, tu vas compter. Non. compte jamais quand je danse. Bah moi aussi je compte jamais. Si. Non. Si. Non, j'ai jamais compté, à part Manon qui compte tout le temps. Mon frère, il a 4 médailles que plus que moi. Moi, ça m'énerve. Je veux plus avoir de médailles que lui. Une compétition quasi permanente au quotidien pour tout. Mince! Je suis marquée dans mon coin. Quand ils jouent ensemble, ils ne jouent jamais pour jouer, mais toujours pour gagner. Oh! Je suis nulle aujourd'hui. On est là pour mettre les hauts là aussi, parce que bon, ben, on peut avoir une rivalité, mais bon, faut pas que ça devienne non plus une bagarre, quoi. C'est pas parce qu'ils sont frères ou rivales qu'il faut qu'ils se tapent dessus, quoi. Donc on est là, on met des barrières, on essaye de gérer. En leur montrant que bah, de toute façon, sur les deux, il y en a toujours un qui va perdre. Quoi. Mais qui pourra faire toujours mieux le lendemain. Quoi. Et Manon, la sœur jumelle de Quentin, a dû apprendre à exister, elle aussi, au milieu de cette rivalité. C'est moi la première, ok? Non, tu vas voir. Non, tu vas voir. Elle adore danser, mais battre son frère Romain n'est pas forcément une priorité pour elle. Sauf que Quentin lui met une pression énorme lors des entraînements. Il veut absolument gagner et lui fait donc des reproches en permanence. Oui, je t'ai bloqué. Toi, Manon, pour la compète, faudrait que t'améliores ton regard et ta posture. Ou ben c'est bon, hein, toi, tu me répètes toujours ça, bah toi aussi, il faudra faire attention parce que sinon, tu seras moins bon que Romain. Hein. Le 4, c'est surtout toi qui arrives pas. Hein. Tu fais ça fait ça. Hein. Au lieu de rester droit. Non, je reste droit, moi. Non, elle est en bas. Ouais, je reste droit. C'est toi qui t'appuies sur moi. Très droit. Tu mets ta main sur mon épaule. Bah oui, en même temps, tu dois résister. Hein. Le garçon, il a plus de force que la fille. Et alors, t'es pas obligée d'appuyer? Mais j'appuie pas. Oh, si, t'as appuyé hier. Hier? Mes fesses, ouais. Oui. T'es souvent. Hein. Donc, qu'est-ce que je vois pour les compétitions? Les épaules qui sont maximum bas et fronter le ventre. Ce soir va avoir lieu le dernier entraînement avant la compétition qui doit se dérouler dans 2 jours. Un entraînement cette fois-ci supervisé par Louise, l'une de leurs coachs habituels. Change. On y va. Les épaules et haut. Plus, 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 plus. Tourne. Il faut que les jambes, elles tournent méga beaucoup. Hein. Tourne les jambes. 5, 6, 7, 8. Quentin a beau être convaincu qu'il est meilleur que son petit frère, il voit bien que depuis plusieurs mois, celui-ci s'est considérablement amélioré. Il pourrait bien le battre à nouveau samedi prochain. Ce soir, il va donc se placer légèrement en retrait pour avoir constamment un œil sur lui, traquant le moindre de ses défauts. Allez, les Romains, on chute. Ta, 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 ta. 2, 3. Romain et Lilou vont eux aussi faire la même chose. Pour la petite fille, c'est clair, ils sont tout à fait capables de battre les plus grands. Les épaules en bas. Que Quentin et Manon, quand on les a regardés, j'ai vu que tous les deux, ils faisaient souvent, ils faisaient pas les rotations. Et 4. Et les critiques vont fuser des deux côtés pendant toute la soirée. Les pieds sont droits, ils étaient ouverts. Ils regardent toujours par terre. Ils n'ont pas la posture. Arrête de compter. Vers la fin de la séance, Quentin va se montrer de plus en plus inquiet et va finir par tourner ses critiques vers sa sœur, pas assez bonne à son goût. Arrête de compter. Des remarques qui vont avoir le don de considérablement énerver la petite fille. Arrête de compter. Moi, au cours des uns, c'est Manon, je lui ai dit « Oh, mais t'as regardé par terre, t'as compté, mais moi j'ai envie que ce soit tout parfait, du coup je suis un peu dure avec elle. » Une chose que Manon ne vit pas forcément très bien. Les garçons sont clairement en rivalité pour samedi, mais pour les filles, Manon et Lilou, tout ça n'est pas si important finalement. Toi, Romain, tu as des réflexions? Non, moi il est gentil avec moi, il est... Parce que moi, quand il me fait des réflexions, et ça m'énerve. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il te dit en fait? Mais pense à ça, patati et patata. Oui, mais genre, il pense à quoi? Il pense à ta tête, ne compte pas quand tu danses, tu vois, des trucs comme ça. Ah, mais il essaie de te... Il te stresse? Ouais, un peu, c'est un peu ça. Mmh. Ouais, il est pas prétentieux, si? Prétentieux dans quel genre tu veux dire, en fait? Prétentieux... comment dire? Prétentieux... Dans le genre énervant? Voilà. Si, parce qu'il te répète toujours les mêmes choses et tu fais le mieux que tu peux après. Notre fille, on est plutôt cool. Tranquillos, on... Ouais. Comme on est amis, on se dispute jamais. Ouais, mais les garçons, en fait, c'est qui va gagner, c'est qui va gagner, c'est ça le truc. Elle est pas jolie? On va voir. Le jour de la compétition est arrivé. Dans la maison, c'est le branle-bas de combat pour la famille. Je pense que c'est bon, hein, les chaussures, les tenues, les cravates, le cirage, la brosse pour les chaussures. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à charger. Eh, très cher. Pour l'occasion, le papa des enfants a loué un van pour emmener tout le monde. Mais aussi Lilou, la partenaire de Romain, qui sera accompagnée, elle, de ses sœurs et de sa maman. Coucou la fratrie! C'est l'équipe de choc, là. Une longue route les attend, direction l'Espagne, et plus précisément la petite ville de Salou, se trouvant à 2 heures de Barcelone. Romain, il ne le dit pas parce qu'il veut nous faire la surprise. Voilà, lui, il nous fait toujours les bonnes surprises. Lui, il dit rien, on a l'impression que... Il avance. Et puis quand il arrive, il surprend tout le monde. Romain, dans le désir de gagner, il est un peu plus filou, oui. Parce que je sais que quand il apprend des nouvelles figures, par exemple sur une danse, il ne va pas en parler. Comme ça, il se dit, bah, si moi j'ai une figure de plus, mon frère, s'il l'a pas, bah, je vais la montrer à la compétition, comme ça, et ben, j'aurai un truc en plus pour moi. C'est un peu épuisé que les danseurs vont arriver à l'hôtel ce soir. Pas question de veiller pour eux, ils doivent absolument être en pleine forme pour demain. La coiffure pour les filles est d'une extrême importance. Ils n'auront pas le temps de la faire demain matin, c'est donc le soir même que les mamans vont s'en charger. Quentin, de son côté, va répéter une dernière fois seul dans la chambre chacun de ses pas de danse. Romain, lui, ne semble pas du tout stressé. Il ne ressent pas le besoin de répéter et est déjà parti se coucher, sûr de lui et pas du tout angoissé, loin de là. Bon, allez, fais dodo. Le coucher pour Manon va être un peu plus délicat. Elle devra faire très attention durant la nuit à ne pas abîmer la coiffure que sa maman vient de lui faire. Bon, allez, fais un gros bisou. Mmh. Ça va pour demain? Ouais. Ouais. T'es prête pour la compétition? Oui. Ouais. Bon. Pousse-toi, hein. T'as ça colle, hein? Ouais. Allez, dodo. Ok? Une coiffure qui aura eu le bon goût de ne pas avoir bougé d'un centimètre durant la nuit. Quentin, ce matin, s'est levé avec une seule idée en tête, celle de gagner. C'est bon, chez nous, les tiens? Oui. T'as pas besoin de lac, maman, elle t'en remet? Non, non. C'est bon, tu veux que je t'aide? Non, c'est bon. Bon, bah allez, je vais finir la valise. Il y a tout dedans, maman l'a tout mis? À part ça. Voilà, ok. Je te mettrai la cravate en arrivant, là-bas. Bon, t'as envie de gagner aujourd'hui? Bah oui. Comme ça, t'es fier de moi. Moi, j'ai envie de gagner parce que ça évite de faire des kilomètres pour rien. Ben non, t'inquiète pas, ça, c'est une affaire de grand. Hein, l'essentiel, c'est que tu t'amuses, tu profites aujourd'hui, et que tu sois fier de toi. Nous, de toute façon, on est toujours fiers de toi, quoi qu'il en soit. Et de toute façon, ben, c'est la loi du sport. Il y a un gagnant, un perdant, et que le meilleur, il gagne. Bon, allez. Allez, on va y aller, hein? Allez, hop. On y va? Il y a foule sur le lieu de la compétition. Plusieurs nations vont s'affronter sur la piste de danse. Essentiellement la France, l'Espagne et l'Italie, toutes catégories confondues. À leur arrivée, la plupart des danseurs sont déjà en train de s'échauffer. Arrête, papa! Je t'aide. Les enfants vont avoir très peu de temps pour se préparer et l'apparence des garçons va être aussi importante que celle des filles. Corinne va donc devoir avoir l'œil sur tout pour que chaque détail soit parfait. Romain, le pied, Romain, il est là. Allez, c'est bon. Si tu sens que ça glisse, vous mouillez les chaussures. Hein. D'accord? Petite goutte d'eau. Et sinon, vous allez déraper, et vous allez tomber. Hein. L'élastique. Aïe, tu me passes. Aïe, aïe, aïe. Il faut que tu lèves la tête, hein, j'y arrive pas. Hein. On n'a pas le choix, il faut mettre la cravate, Romain. Ah, mais... Non, attends, je suis dans le dossard, Quentin. Touche pas. Arrête, Quentin. Corinne, arrête, tu vas m'appuyer. Oh, ben, c'est rien, tu peux pas attendre 30 secondes. Tiens-toi droit. Voilà. Romain, il faut que tu arrêtes de bouger, le dossard, il va être tordu. Romain, arrête de bouger, j'y arrive pas. Romain, j'y arrive pas. C'est horrible ces épingles qu'ils nous ont données. En revanche, pour les nœuds de cravate, c'est le papa des enfants qui va devoir prendre les choses en main. Bah, mets ton baume à lèvres, tu bois, tu tousses un bon coup avant de rentrer sur la piste, que tu sois pas gêné, hein, d'accord? Dernier échauffement avant de rentrer dans l'arène. Dans quelques minutes, les deux frères vont pouvoir de nouveau s'affronter face au jury. Allez, allez, voilà. Allez ma puce, amusez-vous bien, soyez forts. Hein, que le meilleur gagne. Ok ma chérie? Okay. Allez, on vous suit d'en haut, nous on vous encourage. Allez mon Romain. Sur la piste, les adultes sont en train de terminer leur prestation. En coulisses, Quentin et Romain vont pouvoir constater que leurs adversaires ne vont pas être simples à battre. Comme ce jeune couple, âgé de 11 ans. Il y a une trop grosse différence de taille. Cela va être à leur tour de prendre place face au jury. Ils seront 7 jeunes couples à s'affronter, tous d'origine française ou espagnole. Manon et Quentin vont se positionner, tout comme Romain et Lilou. Les jeunes participants vont devoir enchaîner 5 danses différentes, de 1 minute 45 chacune, en commençant par la samba. Les deux petits couples vont démarrer la compétition avec la même énergie, fermement décidés à gagner, quoi qu'il arrive. Petit souci pour Quentin tout de même, ses chaussures ont tendance à trop glisser sur le sol et cela perturbe son rythme. Allez mon Quentin, enlève tout ce qu'il y a sous les chaussures. Pas question de se déconcentrer, il faut enchaîner sur la deuxième danse, le cha-cha. Pour Romain et Lilou, pas de chaussures qui glissent, rien ne semble pouvoir les perturber. Au contraire de Quentin, qui semble moins à son aise que d'habitude. Dans ce genre de compétition, il est strictement interdit de danser en regardant ses pieds. Et le jeune garçon a tendance parfois à baisser légèrement son regard. Un détail que son père va immédiatement remarquer. La rumba qui va suivre va heureusement mieux se passer. Prochaine danse, là, frère. Voilà, ils attaquent direct. Hein. C'est le passo. Allez, le passo doble, c'est effectivement la prochaine danse. Pas le temps de souffler pour les jeunes danseurs. Les deux frères ennemis vont pour l'occasion se retrouver à danser l'un à côté de l'autre, en compagnie de leur partenaire. 4 danses ont été effectuées. Il n'en reste plus qu'une, le jive, la plus énergique et la plus sportive de toutes. Ouais, c'était mieux là. Ah, le jive, je m'inquiète pas. Le... Allez Manon! Allez Manon! Il n'en reste plus qu'une! La compétition est terminée, le jury va pouvoir maintenant délibérer. Bon bah malin, faut attendre les résultats, hein. T'en penses quoi toi, Laurie? T'en penses quoi toi? On sait pas, on peut pas savoir. Quentin, soulagé d'en avoir fini, va vite revenir rejoindre ses parents, suivi de près par son petit frère. Ouais, mieux danser que le premier tour, moi j'ai trouvé, honnêtement. Ça va? Qu'est-ce que t'en as pensé pour faire? Je trouvais qu'il avait très très bien dansé aussi, après on ne peut pas savoir qui sera l'autre. Très bien dansé, vous êtes tous les quatre très très bien dansés. Des mots rassurants de la part de sa maman, même si celle-ci semble déjà avoir sa petite idée sur les résultats. Nous, on a remarqué avec Christophe que là, en l'occurrence, Lilou et Romain avaient mieux assuré certaines danses. Notamment leur passo était plus joli, leur jive était en rythme. C'est vrai que si Quentin et Manon perdent par rapport à Romain et Lilou, je ne sais pas comment ça se passait. En tout cas, bon, bah, ils savent que bon, ils peuvent pas être tout le temps premier. Hein, ça, mais bon, il y aura des pleurs sûrement, ça c'est sûr. La sentence va tomber dans quelques minutes. Le jury a fini sa délibération. Tous les petits danseurs vont être appelés sur la piste pour entendre les résultats. Romain, le petit frère, a-t-il mieux dansé que Quentin aujourd'hui? Ils vont le savoir dans très peu de temps. Les résultats vont être annoncés dans l'ordre décroissant. Les 7e, puis 6e vont être annoncés. Elle croise les doigts, lui, comme ça. Qui aura fini 5e au classement? C'est Quentin encore, oh punaise, c'est pas vrai. Allez. Ce sont Quentin et Manon qui vont être appelés pour cette 5e place. Pas de podium pour eux cette fois-ci. Une déception pour les jumeaux, mais aussi pour leurs parents. Cela veut dire que Romain, le petit frère, et Lilou ont forcément fait mieux qu'eux. Et ce sont eux qui vont être appelés juste après, remportant la 4e place de la compétition. Aucun des deux frères ne sera sur le podium finalement. Ce sera ce jeune couple français qui remportera le premier prix. Pour Romain à droite, c'est une victoire aujourd'hui. Il a de nouveau réussi à faire mieux que son grand frère. J'ai pas le stress pendant les résultats. Dans ma tête, je pensais que j'étais 3e. Finalement, j'étais 4e et je suis content comme j'étais passé devant Manon et Quentin. Quentin, il n'était pas très content. Pour Quentin à gauche, difficile d'avoir le sourire. Il le sait, il n'est pas parvenu à donner le meilleur de lui-même aujourd'hui. Je crois que Romain, il a gagné parce qu'il avait une meilleure posture que moi et Manon. Et Lilou aussi. Voilà, on était un petit peu déçus pour lui, parce que je sais qu'il a travaillé dur. Mais bon, c'est pas grave, il y aura une autre compétition et... On est super fiers de vous parce que c'était quand même dur, hein, et il y avait du monde, et vous avez très très bien dansé. 14 quand même, hein. Louise, elle nous l'a dit que... ouais. Voilà. C'était très très bien. Allez, on va voir la mer là-bas, la plage. Allez.